Hey, ça Ouais. va? Ouais, t'as vraiment un problème de dégaine, toi. C'est mon style depuis une semaine. Enfin, plutôt trois. Et pourquoi? Bah, en fait, si t'étais pas au courant, en fait, on est en confinement ici. Et ouais. D'ailleurs, je me demande, tu fous quoi là? Parce que le confinement, je pense, c'est valable même pour Pour les... les gens comme toi, quoi. Ça veut dire quoi, les gens comme toi? Non, rien. Avec sa tête là. Je veux pas t'accueillir à bras ouverts. Hein. Tu veux quoi? Maléfique, j'ai sa mèche. Wow. T'as réussi à avoir une mèche de cheveux de maléfique. Maléfique. J'y crois pas. Sérieusement, je te jure, c'est vrai. Non, mais la dernière fois, tu m'as dit que t'avais chopé un cheveu de Jafar. Je me suis transformée en perroquet quand même. En Ah ouais, perroquet. c'est vrai. Jafar, son perroquet, il y a un peu une. T'as pas confiance en moi. Bah, je dis juste que ça se trouve, tu me fais croire que t'as pris une mèche de cheveux de maléfique. Alors que c'est un bout de plume de son. De son corbac, quoi. Ouais, de son corbeau. Wow, mais t'as pas d'humour, hein. C'était une farce pour le 1er avril. Là, je te promets, c'est vraiment une mèche de cheveux de maléfique. Je te jure. De toute façon, t'es en confinement, t'as rien à perdre. Effectivement, ouais. Bon, bah vas-y, faisons le test. Je te promets, si je suis encore transformée en oiseau, tu peux m'oublier, trouve-toi quelqu'un d'autre. Ouais, Ouais, vas-y, non mais avance. faut peut-être Tu pas me abuser non saoules. plus. Nina, là. C'est ouf. Tu fous quoi, là? J'arrive, j'arrive. Ah, dépêche! Là, je peux te dire que la potion a fonctionné, hein. Évidemment, ça a fonctionné. J'enfile Crochard. juste mon costume. Qu'est-ce que t'es Oui, longue! bon, ça va. Je crois que c'est facile. Ah bah oui, enfiler une robe, c'est facile, hein. T'es pas dégourdi, hein, c'est tout. J'arrive. Incroyable, incroyable. Pourquoi j'ai choisi elle? Tadam! Enfin, alléluia! Ça a plutôt bien marché, non? Ouais, ça va. Je lui ressemble ou pas? Je ressemble, je ressemble. Là, je peux me balader dans sa forêt. Personne ne fera la différence. Au fait, bien joué pour la robe. C'était long? Ouais, ça va. J'ai mis quelques jours à le faire, mais c'est pas mal, non? C'est pas parfait non À plus. quelques détails près. Personne ne verra quoi que ce soit. Faudra la refaire, la potion. Wow, comment ça la refaire? On sort. Bah non, je vais pas sortir. Comment ça? Non, faut se dire que c'était un test, juste comme ça. J'ai risqué ma vie pour un test? Allez, vas-y, go dans la forêt. Non, en fait, je t'ai déjà expliqué, il y a quelques heures, qu'on est en confinement. En confinement, donc c'est bien gentil, j'ai testé ton polynectar de maléfique, je me suis pas transformée en corbac. On fera ça au mois de juillet. Je vais attendre juillet, moi. Ouais, juillet, août, quoi. Hein? On pourra se balader tranquille, peinard, dans sa forêt de ouf. Mais là, pour le moment, que chi. Tu me Ah là là. saoules. Je vais prendre des photos, moi. Là, une photo, va. Imbécile. Vous avez vu cette tête? Je ressemble vraiment à rien. C'est incroyable. Remarque, ce qui est bien, c'est que dès les débuts de mon YouTube, enfin de ma chaîne YouTube, c'est du naturel, hein. Vous avez ma face plus naturelle que jamais. Incroyable. Donc l'objectif de la vidéo du jour, c'est que je vais essayer de reproduire le maquillage de Maléfique dans le premier film. Vous savez, quand elle rentre pour lancer sa petite malédiction à la Belle au bois dormant, là. Donc, ça va être un peu chaud parce que ben, j'ai déjà essayé de reproduire ce maquillage. J'avais plutôt bien réussi mon coup. Je vais peut-être vous mettre une photo quelque part. Mais c'était un petit test du soir, genre il était 1 h du mat, je me faisais chier. Ma mère m'avait offert les cornes de Maléfique. Je me suis dit, bon, allez, un petit test de maquillage, ça fait pas de mal. Sauf que je me rappelle plus du tout comment j'ai fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de mon portable pour regarder ma photo avec le maquillage et essayer tout simplement de reproduire ce que je vois.
Actuellement, je vous promets pas que le maquillage sera réussi. Ça va être un gros test. Et je ne suis même pas sûre que cette vidéo verra le jour, donc... Voilà, voilà. On croise les doigts. Et let's go. Donc, avant de commencer le tuto, je vais d'abord un peu vous expliquer le matos dont je vais me servir. Donc, exceptionnellement, je ne vais pas utiliser de base. Parce que normalement, il faut mettre une base avant de commencer son teint. Mais il me semble que la dernière fois, lorsque j'ai fait mon test maquillage pour Maléfique, je n'avais pas utilisé de base et j'ai beaucoup aimé le rendu du teint. Donc on va essayer de reproduire le plus fidèlement possible ce que j'avais fait la dernière fois. Comme première chose dont je vais me servir, c'est ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. En gros, c'est un maquillage qui s'active avec de l'eau. J'avais acheté ça, il me semble, environ 2 € chez Action en période d'Halloween. Et franchement, c'est un produit que j'aime beaucoup. Ensuite, je vais utiliser ceci. Donc, c'est mon fond de teint de chez Makeup Revolution. Il est en teint, c'est la teinte F2. Une fois que j'aurai obtenu la couleur de peau que je souhaite avoir, donc elle a un teint maléfique assez pâle et blafard, donc on va essayer d'obtenir ça. Je vais cacher mes cernes et surtout mes veines, je sais pas si ça se voit, avec mon anti-cerne de chez Makeup Revolution. Donc c'est la teinte C1. Mais je vais également le mixer avec mon autre anti-cerne de chez Makeup Revolution, qui est la teinte C6, parce qu'en fait, mon C1 arrive en fin de vie et je ne peux plus en recommander d'autres, donc on va essayer de s'adapter comme on peut. Une fois que j'aurai caché donc mes cernes et mes veines, je vais passer au contouring. Donc tout d'abord, je vais me servir de ceci, donc ma palette de bronzer avec... de chez Makeup Revolution et avec ceci qui est toujours de chez Makeup Revolution pour délimiter les zones d'ombre et les zones de lumière. Et ensuite, je vais renforcer les zones d'ombre avec cette palette là de chez Beauty Bay. Je vais utiliser la teinte noire et la teinte grise. Et donc ça va me permettre de vraiment donner l'effet que j'ai des joues très creusées et des pommettes très ressorties. Une fois que le teint sera fait, je vais poudrer et je vais attaquer les yeux. Donc pour les yeux, c'est, il me semble, un smoky eyes noir avec un léger trait d'eyeliner. Jusqu'ici, tout devrait bien se passer. Les lèvres sont rouges. C'est simple. Je vais essayer de me donner l'effet d'avoir des lèvres quand même plus pulpeuses parce que... mes lèvres à côté des lèvres d'Angelina Jolie, il y a une différence. Et il faut surtout que je n'oublie pas de faire mes sourcils en noir. Parce qu'elle a des sourcils noirs, tout simplement. Et je me demande si je vais pas terminer le maquillage avec cet highlighter, du coup. Donc c'est un highlighter de chez Makeup Revolution, mais je pense qu'il est plus en vente. Parce que... je me demande si c'était pas une sorte d'édition limitée spéciale Halloween. Et j'adore cet highlighter parce qu'il a des reflets verts. Et j'aimerais que donner des petits reflets verts à mon maquillage. Je pense que ça pourrait aller vachement bien avec le personnage de Maléfique. Donc je suis en train de regarder mon plan de travail. Je crois que c'est tout. Donc on va pouvoir commencer. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Donc là, j'applique du blanc partout, un peu grossièrement. Donc il me semble que la dernière fois ça ressemblait à peu près à ça. Donc c'est-à-dire à pas grand-chose. Donc je vais attendre un petit peu que ça sèche parce que j'ai mis trop d'eau. Donc maintenant on met le fond de teint. Donc je vais mettre par goutte. Puis après je vais m'adapter selon ce que je veux comme teinte. Si je veux plus clair, plus foncé.
Donc, je pense que ce que je vais faire pour le fond de teint, c'est que je vais continuer à appliquer de mon côté. Et je reviens tout de suite parce que je pense que ça va être assez long d'obtenir la couleur que je veux. A tout de suite. Donc voilà ce que ça donne. Donc pour le moment, je trouve ça plutôt pas mal. Je sais pas comment ça ressort en caméra, mais à travers mon miroir, c'est plutôt pas mal. De toute façon, ce qui est bien, c'est que ça va pouvoir être réajustable. Je vais passer à l'anti-cerne. Donc il me reste vraiment plus grand chose. Ah non, même plus du tout. Il est vide. On pourra pas dire que j'ai fait du gâchis niveau anti-cerne. Je vais prendre l'autre. De toute façon, c'est pour en mettre très peu, hein. En fait, j'ai pas besoin de tant d'anti-cerne que ça, vu que j'ai l'impression qu'avoir mis le maquillage blanc avant le fond de teint, ça a carrément tout camouflé. Que ça soit les cernes ou les comment on appelle ça, ou les veines que j'ai sous les yeux. Je pense que c'est pas mal, non? Comme si vous alliez me répondre. Bon, je crois que c'est bon. Je vais poudrer. Donc je me sers toujours de la même poudre. Je sais pas si je l'ai... Je me rappelle plus si je vous l'ai montré. Mais je me sers de la même poudre. Donc voilà pour le teint. Je pense que ça va, je suis très blanche. Bon, c'est un peu le but. Donc je vais passer au contouring. Donc comme je vous ai dit, je vais commencer avec la palette de chez Makeup Revolution. Pour le pinceau, je vais me servir de ça pour commencer. Je vais prendre la teinte la plus claire, qui est celle-ci. Et c'est parti. Donc j'essaie de... Je sais pas si ça va se voir, mais j'essaie de donner vraiment la délimitation. Parce qu'en gros, quand je vais me servir du fard à paupières noires, faudra vraiment que ça parte de ce niveau-là, ici, et que ça monte jusque-là. Donc je crois que c'est bon. Je vais essayer de faire la même chose au niveau du nez. Parce que j'ai vu que je m'étais affiné un peu le nez. Je suis vraiment pas douée pour ça. Après, je sais pas trop si c'est utile que je cherche à m'affiner plus mon nez. Étant donné qu'il est déjà assez fin, en fait. Donc je vais déjà laisser ça comme ça. Donc en fait, je suis partie d'ici. Et je me suis arrêtée un peu avant, on va dire, la boule du nez. J'ai pas de boule, mais... pas comment on appelle ça. Et je vais prendre du coup mon... comment on appelle ça, mon fard à paupières noires, et c'est là où ça a commencé à se compliquer, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une symétrie de chaque côté, que ça donne vraiment un effet creusé et pas un truc genre caca doigt Burke. Donc c'est parti, je pense du coup, vous montrer comment je vais faire, la délimitation. Et ensuite, je vais passer en accéléré parce que je pense que ça va sinon faire une vidéo beaucoup trop longue. Et je vais d'abord prendre la teinte grise, ici.
Et si ça va pas, bah, je vais utiliser un des deux noirs. Donc, à quoi ça ressemble exactement? Ouais, il faut vraiment que ça parte d'ici. Donc, au niveau de la lèvre. Ensuite, ça fait un arrondi à ce niveau-là. Ça continue la courbe. Ça remonte comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Donc ça fait une courbe et puis ça redescend progressivement jusqu'au niveau de la lèvre. Enfin, niveau de la lèvre. Vous voyez à peu près, ça se termine à peu près à la même hauteur que la lèvre. Et donc, ce qui va devoir se passer, c'est que là, par exemple, je me sers du gris, après je vais aller dans le noir, mais ça va être un jeu de teinte. Des fois, il va falloir rajouter du marron, puis après, reprendre votre éponge, rajouter un peu de blanc pour qu'en gros, le noir se fonde à la couleur du teint en dessous. C'est vraiment un jeu de balance avec les couleurs. Et en fait, c'est ce qui rend le maquillage beaucoup plus difficile parce que, au final, moi j'ai mis des plombes à faire ça. Parce que c'est vraiment pas facile. Alors peut-être que quand on s'y connaît en maquillage, c'est beaucoup plus évident à faire. Et que d'ailleurs, la technique, c'est pas du tout ce que je fais. Mais quand on est comme moi, plus ou moins novice et qu'on n'a jamais eu de cours ni rien, ça devient un peu compliqué. Je vais prendre un pinceau de cette forme-là. Et puis, c'est parti. Donc, autant ça peut bien fonctionner, autant ça peut être un foirage complet. Donc, ça va être que ça. Hein. Vous faites un début de trait, vous devez l'estomper, vous refaites un autre trait, vous devez l'estomper. Et ça va être un dégradé comme ça tout le long. J'ai essayé de rajouter un peu de marron et beige, voir ce que ça donne. En fait, ce qui est important, je pense, c'est vraiment de délimiter la base, enfin, la forme de base. Et ensuite, c'est un peu à vous de jouer. Si vous voulez que ça soit plus foncé, noir, vous allez jouer dans ces teintes-là. Si vous voulez que ça fasse plus effet contouring, donc avec du marron, vous allez vous servir surtout de marron foncé, marron clair, beige. J'avoue que moi, je pense que je vais plus finir dans du noir comme le premier maquillage que j'avais fait. Donc là, pour le moment, ça donne ça. Ce que je vais faire, c'est continuer. Et je reviens juste après. Et puis, on attaquera l'autre côté de la joue. Je finis plus ou moins ce côté-là. Je suis pas trop satisfaite. Je sais pas comment ça rend en caméra. Mais là, comme ça, j'aime pas trop. Mais je me dis peut-être que lorsque j'aurai fait le deuxième côté, ça passera mieux. Parce que là, ça fait chelou. On a juste l'impression que j'ai une grosse trace noire qui ressemble à rien. Mais je dois admettre que c'est quand même plus difficile. Enfin, je galère plus que dans mes souvenirs. Parce que dans mes souvenirs, j'avais réussi assez vite. Désolée, c'est mes parents. Je sais pas ce qu'ils font. Enfin bref. Donc voilà ce que ça donne les deux côtés. Ils ont leur symétrie. Vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que c'est ça, pas mal. J'ai un peu foncé le contouring du nez. Et à certains endroits, notamment le haut des pommettes et au centre du nez, j'ai rajouté du fard à paupières blanc. Parce qu'au final, je trouvais pas que ça soit assez blanc. Enfin, ça rendait plus le teint beige. Du coup, j'ai utilisé le fard à paupières de la même palette que je vous ai montré de Beauty Day. Donc maintenant, nous allons passer aux yeux. Yeux de biche. Non, je rigole. Donc en fait, je vais plus ou moins réutiliser les mêmes pinceaux que je me sers pour le début. Étant donné que c'est les mêmes teintes, ça sert à rien, j'en salisse je sais pas combien. Donc voilà, je délimite un peu comme ceci. Hop là, j'étire. Et vraiment, j'essaye légèrement. Pour un peu imaginer où je m'arrête.
Donc voilà, je vais faire à peu près cette forme-là. Je vais continuer à foncer l'extérieur, puis à dégrader. Et je reviens tout de suite. Donc voilà ce que ça donne pour le moment, le fard à paupières. Je vais faire mon trait d'eyeliner, mascara, et je reviens. Donc là, j'ai fait le début de mon trait d'eyeliner. Et ce que je fais, en fait, c'est que je vais pas finir en pointe. Je vais un peu me servir de ce qui reste d'eyeliner sur mon pinceau pour encore plus foncer... foncir, ça se dit. Enfin bref, vous avez compris. Mon eyeliner... Incroyable. Mon fard à paupières. Hein, je commence à être fatiguée, là. Donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, on va finir de faire la bascule. Et voilà ce que ça donne. Après, vous pouvez faire des petites retouches. Alors moi, j'ai un... Et là, c'est mon crayon qui coule assez rapidement. Donc voilà. Donc je vais reproduire la même chose de l'autre côté. Bon, bah je crois que c'est pas trop mal. J'ai l'impression que je dis ça depuis le début de la vidéo. C'est pas trop mal. C'est parce que là, je suis vraiment en doute, mais ultime. Alors je pense que ça fait chelou parce que j'ai pas la coiffe. J'espère que ça fera bien à la fin. Sinon j'ai perdu un temps considérable pour rien. Donc je vais un petit peu récap pour les yeux. Donc pour les yeux, je me suis servi de cette teinte. Et un peu pour éclaircir parce que je trouve que j'avais mis du noir trop... dans le coin interne, j'ai essayé de rattraper avec du blanc et ce beige rose. Et donc, pour les creux, je me suis servie de ces quatre teintes. Et voilà. Donc du coup, je pense que je vais faire les sourcils. Donc je sais pas encore comment. Je pense que je m'étais servi du fard à paupières noir, encore une fois. Et j'ai un kit pour sourcils, pour faire les sourcils marrons. Et ici, là, le dernier, c'est du gel. Donc je pense mettre du gel, du fard à paupières noir, puis voir comment ça va se passer. Waouh, ça fait trop chelou. J'ai l'air tellement plus vieille et méchante. En fait, j'ai vachement l'habitude de faire que des personnages blonds, en vrai. Tous mes cosplays, c'est principalement ouais, des personnages blonds. Je crois que c'est la seule brune que j'ai fait. Si une fois j'ai fait Ariel, c'était rouge. Mais... j'ai l'impression de pas être moi. C'est étrange. Mais bon. C'est pas un peu le but du cosplay. Ne pas être soi. Donc je vais regarder avant de continuer s'il n'y a pas d'autres détails au niveau des yeux. Je vois qu'elle a, entre guillemets, comme des poches. Enfin, pas vraiment des poches. Une ombre sous les yeux. Donc je pense que je vais utiliser un peu de fard marron. Et recréer un peu le même effet. Ouais, je sais. Vous vous dites, là, on a fait un bond dans le temps. J'avais pas de rouge à lèvres il y a 2 secondes. En fait, ma caméra a eu la bonne idée de couper et elle n'avait plus de batterie. Du coup, j'ai attendu 1 heure qu'elle recharge. Joie, bonheur. Enfin bref. Maintenant, nous allons passer à l'highlighter. Donc pour les lèvres, j'ai pas fait grand chose. Hein. J'ai juste dépassé, ajouté un peu de noir au centre de la bouche. Je sais pas si vous allez voir les reflets verts que moi je vois dans le miroir. Mais c'est tellement beau. Du coup, je pense que pour le maquillage, ça a l'air plutôt bon. Je vais enfiler ma coiffe, ma robe. Et on se retrouve tout de suite. Sur ce,
je vous ordonne tous de suivre Cheyenne sur ses différents réseaux sociaux. Instagram, TikTok et Facebook. Son nom est Cheyenne Cosplay, évidemment. Faut tout leur apprendre.